Un château, un olivier, un arbre multicentenaire. Oui, le Seigneur des Anneaux, il fallait bien ça pour le Q6, l'Audi Q6, un des modèles parmi les plus attendus qui soit et qui va être le déclencheur d'une avalanche de nouveautés chez Audi. Et on n'est pas mécontent, tout à coup, d'en prendre le volant. Attendu presque comme le Messie. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on attendait des Audi. Audi ne prenait pas ombrage de ce qu'on va dire. Le plan produit était un peu calme. Là, avalanche. Là, il y a une tempête Q5, qui arrive. A6, A5, Q6. Honnêtement, là, il va y en avoir partout. On découvre ce SUV. Pour mettre les pieds dans le plat, pour entrer directement dans le vif du sujet, ce que vous voyez devant vous, c'est pas le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est le SQ6. C'est celui juste en dessous, qui n'est pas inintéressant, parce qu'il est en 4 roues motrices, 387 chevaux. Q6 i Quattro, ouais. 100% électrique. Ouais. Une très belle autonomie pour le nôtre qui a fait 387 chevaux parce qu'il dépasse 620 km, 623, ce qui est plutôt joli. Le SQ6, celui qui a toute la cavalerie, lui en revanche sera légèrement sous les 600, il est à 590 et quelques, selon ta taille de pneus et tout ça. Et tu auras une entrée de gamme qui a un peu moins d'autonomie parce qu'elle a la plus petite batterie, une batterie 84 kWh, qui elle t'offrira 251 chevaux. Ça va démarrer à 72 000 euros, c'est pas donné. Et là, le modèle que tu vois devant toi, c'est 83 000 euros en entrée de gamme avec cette grosse motorisation. Ouais. Et le modèle qu'on a devant nous, qui est full option, est à 105 000 euros. Par contre... Faut toujours regarder les loyers. Parce que je sens que tout le monde tousse peut-être un peu derrière son écran. Dans les commentaires. Donc, foncez voir les loyers. Je pense que les loyers sont beaucoup plus sympas pour lisser tout ça. Ce qui est rigolo, c'est que tu achètes une voiture souvent sur des critères subjectifs. Est-ce que la ligne te plaît ? Tu connais le subjonctif passé. Est-ce que la ligne te plaît ? Est-ce que tu as des bons ressentis à ton volant ? Ça, c'est subjectif. Par contre, ce que tu as d'objectif devant toi, c'est factuellement, c'est une voiture aboutie. La ligne, on verra qu'il y a des choses à redire. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais pourquoi c'est une voiture aboutie ? C'est que techniquement, la même plateforme que le Macan électrique, architecture 800 volts. Donc l'architecture 800 volts, ça te permet d'avoir des puissances de recharge 270 kWh, donc c'est quasiment le double d'une Renault Scénic. Malgré que ça soit sur celle-là une batterie 100 kg, tu vas la recharger en 21 minutes. C'est pas mal ça, le remboursement. En 10 minutes, tu lui remettras 260 km d'autonomie. Donc ça, mine de rien, on en fait des blagues, mais techniquement, c'est très fort. Le look extérieur, on commence. Le regard. Ça, c'est chouette, parce que pour ceux qui sont évidemment amoureux d'Audi et amoureux d'automobile en général, auront vu sur tous les concept cars, maintenant depuis quelques années, la finesse justement de ces feux. Des blocs optiques en plus, tu sais, à LED, mais vous regarderez, c'est quasiment des petites pixels pour justement te décomposer le faisceau lumineux, éclairer la nuit comme le soleil. Et c'est pas sans élégance, au contraire, je trouve que c'est un élément de sophistication et de raffinement qui vaut vraiment le coup d'œil. Et à l'intérieur, en plus, ils ont mis des éléments chromés. C'est le point fort que met beaucoup Audi en avant avec 8 signatures lumineuses où tout est personnalisable. C'est-à-dire que les signatures lumineuses, c'est une vraie technologie avec des feux matrix LED, de l'OLED, etc., qui sont très recherchés chez Audi. Et alors, en même temps, ils ont superposé, tu sais, d'autres blocs optiques qui sont là. Certains diront que ça ressemble à une Citroën petite Picasso d'il y a de longtemps. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, en préparant l'été, tu vois, cette calandre remplie pour des questions d'aérodynamisme, j'imagine, et d'efficience électrique. Bah, quand je la voyais en vidéo, et vous qui la voyez en vidéo, je la trouvais pas heureuse. En vrai, je suis pas en train de te dire que je l'aime bien. Je trouve que si tu avais enlevé ça, la voiture aurait sans doute plus de personnalité. Mais c'est plus sympa à voir en vrai qu'en vidéo ou en photo, je pense. Alors là, en plus, elle est laquée, elle est grise. C'est 50 nuances de gris. Hein, donc attention aux coloris. En bleu, ça c'est. Enfin, on voit venir, mais en bleu, je trouve que c'est un peu plus heureux. Et dis-moi, tu la prendrais ta bleu intérieur beige pour changer. Pour changer, je la prendrais bleu intérieur beige. J'en ai marre. Mais en revanche. Pas la Golf GTI des années 80, non, tu l'as pas placée. Non, mais elle va arriver. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est vachement sculpté. À une époque, tu sais, où justement, on revient à des choses plus sages. Bah, t'as une impression c'est dynamisme. C'est plus sculpté. Hein. D'ailleurs, avec cette partie-là qui est assez sculptée, cette partie-là aussi. Ils ont renforcé pour essayer de donner un peu plus, à mon avis, de personnalité au véhicule, lui donner un peu plus d'énergie. Ils ont joué avec ça. Ça et va puis, me permettre... t'as une silhouette qui se rapproche aussi du nouveau Q5. Le nouveau Q5, il est intéressant. Les jantes, j'ai du mal à me positionner si je les aime ou je les aime pas.
Et toi, tu me vois venir. Oui, ça je te permet venir. De remercier. Avec les pneus. Ça me permet de remercier le sponsor de cette vidéo, Allopneu. Allopneu, c'est quoi? C'est le plus gros, ils vendent quasiment plus de 100 000 pneus par mois. C'est le plus gros vendeur de pneumatiques. On les remerciera jamais assez. Ouais. On est content d'ailleurs d'avoir le leader hein, avec nous comme sponsor. Et honnêtement, tu te fais livrer les pneus en 24 heures si t'es pressé, en 48 heures, 72 heures dans le centre de livraison de ton choix. Ils ont 6000 points de vente. Ils peuvent venir te les monter à domicile ou au bureau. Les prix, c'est vraiment mieux placé qu'une concession. Moi, je commande mes pneus comme ça, donc je ne peux pas être plus simple que. Non, mais on est pareil. Moi, j'avais fait monter des pneus neige sur des voitures justement de tournage et tout ça. Hop, ça avait été fait comme ça. Et c'est moins cher. Et c'est moins cher. Que demander Et là, ce qui est rigolo sur cette Audi, c'est que les pneus avant et les pneus arrière ne sont pas la même taille. Ah ouais. Donc là, c'est des Bridgestone Touran ça. Donc là, si tu peux voir, c'est comme le Porcelain. C'est des 255 50 R20, donc des 20 pouces. Et là, tu vas regarder, c'est des 285 de mémoire. C'est des 285 45 R20. Comme une 911 turbo des années 80. Ça, tu te rends compte, Alain? C'est pour bien tout ça, hein? Oh là là. Hein? Qu'est-ce que tu aimes bien d'autre? Il y a un truc, le fuselage, mais en fait, elle est fuselée. Et elle est fuselée, ouais. Elle rappelle le nouveau Q5. Et il y a quelque chose d'une stature Audi qui était un peu perdue et qui revient. Elle partage aussi une partie de la plateforme avec normalement le nouveau Macan, qu'on a hâte d'essayer. Moi, j'aimerais beaucoup en prendre le volant. Je trouve l'arrière plus réussi. Elle a plus de personnalité à l'arrière que je trouve qu'à l'avant. Il y a un truc qui est rigolo sur les voitures 100% électriques, où tu sens que les designers se cherchent un petit peu, mais surtout ceux qui ont un mix dans leur gamme de voitures thermiques et électriques. Ouais. C'est comment, sous les boucliers, faire exister des pots d'échappement qui n'existent plus et comment habiller un truc qui était très très habillé puisqu'ils adoraient intégrer des pots. Dites-nous, c'est un gros débat de designer, mais moi je suis partisan de ne rien mettre. Ce qui est marrant, on lisse tout et justement de ce truc très lisse, c'est de là que naît la beauté. Si on surtravaille et qu'il n'y a pas grand-chose en dessous, j'ai peur qu'on frôle l'artifice. Ce qui est marrant, c'est de trois quarts arrière, je la trouve jolie et réussie. Bah, l'avant me dérange un... Alors elle est large, hein. on a un bon petit 2 mètres de large, toit ouvrant. Oui, 4,77 m, 1,68 m de haut et je crois 1,93 m de large en rétro. On va conduire ? Bon, faut y aller. Audiman 80 km/h aux instruments, et quand je dis aux instruments, c'est véritablement aux instruments. Ses capacités de conduite presque autonome, sans les mains. Alors, chose à ne pas faire, voilà, normalement, il faut toujours conserver les mains au volant. Mais là, c'est pour illustrer justement le fait que le calibrage est réalisé aux petits oignons. Je lui ai demandé 80 km/h, elle maintient 80 km/h. Elle maintient 80 km/h dans les pentes. D'habitude, tu sais, même un des très bons régulateurs de vitesse, de temps en temps, il se laisse emballer par sa vitesse en descente. Là, ce n'est pas le cas. Elle reste à 80. Et puis, on va se rapprocher d'un virage gentiment. Elle tourne délicatement. C'est là où on part dans le décor, évidemment. Et elle tourne gentiment. Elle met le bon angle. Elle revient au centre. Et c'est super. Pourquoi tu nous parles de ça? Qu'en fait, dans les aides à la conduite, c'est souvent des checkbox. Et là où les normes européennes ne savent pas mesurer l'efficacité de l'ADAS, donc de l'aide à la conduite, bah, il n'y a qu'en essayant. Et pour le coup, cette Audi-là est probablement celle où on a vu un calibrage des aides à la conduite le plus efficace. Non intrusif, qui se repère bien. Elle passe aussi les ronds-points. Oui. Tu vois, tout est de manière lisse. C'est celle qui se rapproche le plus de ce que j'ai pu essayer en matière de full autonome. Allez regarder sur mon Instagram avec Gontran à Montréal où il a un modèle 3. Mmh. Bah justement, ce Q6 se rapproche le plus possible. On s'aperçoit justement qu'on est tout orchestré par l'ange gardien électronique et l'intelligence artificielle, j'allais dire, parce que tout est en vert. Ça te permet de voir les consoles aussi à côté. Voilà. Et puis un truc intéressant aussi, c'est le head-up display. Lorsque tu branches ta navigation, tu as le sentiment d'avoir des petites flèches qui t'indiquent, mais d'une manière comme une main magique qui te dit voilà, tu vas tourner ici. C'est hyper beau, c'est graphiquement
déjà un spectacle, mais en plus c'est très utile, ça ne te parasite pas le regard et c'est très précis, dans... tu peux plus te tromper. Donc voilà, moi ça c'est le premier effet waouh. Ça c'est les points que t'aimes bien, c'est ouais. Probablement un des meilleurs affichages tête haute du marché à nouveau. À nouveau. Les points un peu de regret. On sent la masse. Ouais, 2 tonnes 4. 2 tonnes 4, il y a vraiment 2 tonnes 4. On le sent dans les déplacements latéraux, un petit peu. Elle prend du roulis. Et en même temps, c'est marrant parce que l'amortissement, alors tout dépend des lois de d'amortissement, on peut évidemment se faire son petit truc aux petits oignons, mais de temps en temps, le tarrage est assez sec aussi. Donc c'est marrant, il y a un côté un peu perturbant. On ne sait pas comment juger, elle est mi-typé confort, mi-typé dynamique. C'est très étrange. On fait un petit tour pour rien pour vous montrer qu'on prend quand même un peu de roulis, tu vois. T'as vu, je suis quasiment chez toi là. Je suis vraiment quasiment chez toi. On va tourner, hop, voilà. Et tu sens la masse. Alors en revanche, elle freine bien. En revanche, elle tient très bien la route. Quand on dit qu'elle tient très bien la route, je vais vous montrer, je vais accélérer sur ces petites routes rigolotes là, hop. Voilà, ça marche bien, il y a quand même les 387 chevaux, le SQ6 il en a plus de 400. La direction reste précise. Elle donne même confiance. Et ça roule quoi. Donc là on va avoir un joli freinage. Hop, j'enfonce les freins, réponse immédiate, ça freine bien. Hop, la petite déclivité, hop, voilà, ça se compresse un peu. Et c'est là où tu t'aperçois bien que malgré ses 2,4 tonnes, elle est à l'aise. Et elle est sympathique à conduire de manière un peu presque soutenue en fait. Et sans doute que là tu retrouves ce que c'est qu'une Audi. Après, le confort, le silence. Double vitrage. D'ailleurs, ce qui est marrant dans le double vitrage, petit truc rigolo que vous allez voir, c'est qu'un des... Honnêtement, c'est juste pour partager avec vous. Oui, mais c'est drôle, dis-le. Regardez la vitesse à laquelle remonte la vitre. Double vitrage, c'est vrai que... Enfin, alors, je sais pas si on s'en rend compte à la vidéo. C'est le Usain Bolt de la vitre électrique. Elle remonte hyper bien. Aussi, truc rigolo. Et Audi, baisse ma vitre. Ok, je vous vole en vite. Et Audi... ferme ma vitre. Ok, je ferme la vitre. Et ça, alors moi je peux pas vous faire la démonstration parce que c'est juste le conducteur. Tu peux ouvrir le toit ouvrant, tu peux utiliser les chats GPT donc pour poser des questions. Ça marche. Y a une chose aussi que j'aime beaucoup, c'est le volant. Oui. D'abord parce que il a, allez, c'est l'âme Audi d'avoir les petites roues là ici, oui. Tu vois. Il est rond carré, tu sais, ou presque rectangulaire. Le déclenchement des ADAS et notamment du régulateur de vitesse actif, il est en bas comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, comme sur une A4 du milieu des années 90. Donc ça, c'est assez amusant. En autonomie, 620 km, un tout petit peu plus, même très précisément 623 km pour notre modèle d'essai, ça commence à parler. En général, il faut compter enlever 20-25% en cycle mixte et il faut enlever un 40% sur autoroute. Voilà. En conso, on va vous donner les chiffres après quand moi je prendrai le volant. Et c'est plutôt un très bon élève. En fait, c'est une bonne élève. En général, c'est quand tu dis que c'est une bonne élève, c'est qu'elle te manque un petit pchit-pchit pour te séduire, non? T'as pas les étincelles. J'aimerais qu'elle vienne nous chercher, qu'il y ait une sorte de grain de folie où tu te dises « mais cette voiture, elle nous rend fou. » Non, elle coche toutes les bonnes cases. Voilà. L'objectif d'Audi, c'est d'en vendre à peu près 2500 avec une version Sportback qui va sortir. Donc ça va être moitié celle-là, moitié la Sportback. Donc tu as 1250 voitures à vendre en France. Elles vont être absorbées en loyer par des entreprises. Exactement. Première impression, je trouve que le fait que tout soit un peu tourné vers le conducteur, tu as tout de suite tes repères, c'est-à-dire que tu n'es pas perdu dans la voiture. C'est quand même chouette hein, la découpe. Hein. L'affichage tête haute est vraiment le meilleur du marché. Si tu vois par exemple, tu as une petite ligne, quand tu mords, là je mordais un peu la ligne, j'ai une petite couleur rouge sur chaque côté pour me dire dans quel côté je mordais et faire attention, c'est vraiment bien fait. Petite bizarrerie, mais je sais pas si c'est moi, je trouve les sièges petits.
Alors, en largeur, ouais, sans doute un peu. Pourtant, ils offrent de multiples réglages, notamment électriques. Hein, ouais. Mais effectivement, ils sont aussi un peu durs. Oui, ils sont un peu raides. La voiture est plutôt typée confort que dynamique. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un mélange de raide tout en étant confortable. Donc c'est en général, quand c'est raide, c'est que c'est plutôt dynamique. Et quand c'est moelleux, c'est que c'est plutôt confortable. Là, c'est un peu raide tout en étant... Et ça nous amène à nous questionner, en fait. C'est ouais. bizarre, tu dis, mais étant, le curseur, il est sur confort, sur dynamique, il est entre les deux. Pour vous donner quelques chiffres de conso, on a observé 14 kWh en ville. Tu seras à peu près à 15-17, je dirais, en départemental ou en national. Et t'es à 21-22 sur autoroute, qui sont des données plutôt... Ah ben c'est bien, c'est parmi les bons élèves. Hein. Une Tesla Model 3, alors sur autoroute, elle fait un tout petit peu moins. Pour avoir un repère, dès que tu es sous les 17 kWh, j'allais dire en mixte, t'es vraiment bien. Et là, t'es un joli SUV de 2,4 tonnes, c'est plutôt pas mal. Quand tu achètes une voiture électrique, il y a deux choses que tu dois regarder. C'est l'autonomie au global, mais surtout en combien de temps tu vas pouvoir recharger. Et là, avec l'architecture 800 volts et les 290 kW de recharge, tu vas recharger en 20 minutes, tu vas lui remettre 260 km en 10 minutes de recharge. Allez, on y va. C'est probablement une des meilleures voitures électriques du marché. C'est-à-dire que si tu te mouilles, techniquement, recharge, conduite, réglage des aides à la conduite. 623 km pour notre motorisation, ça commence à être joli, quoi. Factuellement, c'est une des meilleures voitures électriques. Moi, j'avais eu la chance de la découvrir lorsqu'elle avait pu être présentée avec un intérieur tout à fait clair et du bois ici qui remplace là, ce plastique imitation presque carbone. Et ça lui donne un style autrement différent, presque Volvo. Et là, tu dis, OK, j'y vais, je la prends comme ça. Les quatre roues motrices, mais pas directrices, sont plutôt sympas. Braquage est plutôt bon, elle est plutôt maniable. Elle est large, hein. En manœuvre, ouais. Elle est large. Elle est large comme ouais, un Q8. Hein. Mais ça braque bien, honnêtement. En revanche, tu vois, t'es au calme. C'est du oui, l'isolation, oui, ça, c'est vrai. Oh. C'est vraiment peinard. On va aller faire nos petits points intérieurs, on va vous parler oui, aussi et puis alors, ce qui est quand même génial, c'est que le passager a le droit à son propre écran. Écran que le passager est le seul à pouvoir regarder, puisque Vincent, je ne le vois pas du tout. Vincent, je vais vous montrer. Voilà, il ne voit rien, c'est noir. Tu peux accéder à YouTube. On peut aller sur YouTube. Alors, cette application ne peut pas être chargée. Vraiment, c'est le syndrome, tu sais, ça ne marche jamais quand tu veux montrer que ça marche. Jérôme Bonaldi. Voilà, et en revanche, tu as des informations comme si tu étais le pilote. Voilà, 77 km/h de vitesse moyenne, 83% de batterie restante. Comme on a commencé nos points intérieurs, aussi un petit point sur le navigateur. Déjà, la qualité des écrans sont plutôt très bonnes. Je crois que ça, tu as légèrement en dessous de 15 pouces. Ça, tu dois avoir 13 pouces. Oui, c'est deux écrans associés. Hein, c'est OLED, donc c'est d'une définition et d'une colorimétrie assez intéressante. Ils ont, à mon avis, rétro-pédalé parce que c'est basé sur Android. Donc du coup, c'est vachement plus fluide. C'est, je trouve, beaucoup plus au niveau que ce qu'ils faisaient avant. Tu peux faire cohabiter Waze avec ton Apple CarPlay et le système de navigation de oui, les deux en même temps. En général, c'est l'un qui prend le pas sur l'autre. Là, les deux arrivent à cohabiter. C'est honnêtement plutôt pas mal. Partie audio aussi, même si c'est pas Focal que Guillaume, on embrasse de chez Focal. Mais Bang & Olufsen. Ouais, bah... C'est pas la moindre des signatures. Hein. Elle est vraiment très bonne. T'as des haut-parleurs dans les appuis-têtes. C'est franchement une très bonne qualité. Et puis le toit ouvrant, on ne le dira jamais assez, on ne le répète jamais assez, combien c'est chouette. Sur les électriques, c'est de plus en plus rare, ce qui est dommage. Tu vas avoir 4 ports USB présents dans l'habitacle, tu vas pouvoir recharger jusqu'à 100 watts. Pourquoi on vous parle de ça? C'est qu'en général, c'est des voitures souvent achetées
pour des cadres supérieurs dans le cadre du travail. Et donc, quand tu veux recharger ton ordinateur, si tu as ton pauvre câble USB 15 watts, tu vas pas aller bien loin. Alors que là, avec ton 100 watts et notre collègue qui fait pipi que tu peux prendre en vidéo avec le DQ6, et ben là, tu peux recharger ton ordinateur, ce qui est plutôt pas mal. Ce que j'aime moins, c'est là, tu vois, là, toute cette partie piano black. Ça fait, je trouve, un peu cache-misère. C'est pour certains, le piano black, c'est quelque chose qui est facile pour faire chic très vite. Alors que moi, je trouve que c'est l'inverse. Et c'est un peu une solution. Mais tout le monde le fait. Ce bouton-là aussi. Ça, c'est très Audi. Oui. Un bouton qui permet évidemment d'allumer ou d'éteindre la radio très prestement, mais aussi de faire défiler les stations de radio et puis le volume. Et ça, c'est génial qu'il soit là physiquement. À l'heure où certains constructeurs premium se perdent à vouloir mettre énormément de technologie, ils font un pas en arrière sur le raffinement. Je trouve que Audi a trouvé le bon dosage. J'ai l'impression qu'on est quand même dans une voiture où il y a énormément d'écrans. Certains trouveront probablement trop. Mais tu as quand même l'impression dans une voiture raffinée premium. Ça me fait penser à une petite anecdote. Je ne sais pas si les gens l'ont remarqué. En fait, dans la gamme Audi, les chiffres pairs correspondent au modèle électrique. C'est bien de le dire. Ouais. Les chiffres impairs correspondent au modèle thermique ou électrifié. Beaucoup se disaient, mais pourquoi la 4 n'existe plus, elle est remplacée par la 5, pour cette raison. Exactement. Donc le Q4, c'est électrique, le Q6, c'est électrique, le Q8, c'est électrique, le Q5, c'est thermique, la 5, c'est thermique. Hop, allez. Le petit Alcantara qui est tout doux. Les portières qui s'ouvrent ainsi. Derrière, un plancher plat. Évidemment, un ciel de toit sombre, mais la clarté d'un toit ouvrant illuminé, c'est quand même sympa. Pour le coup, t'as beaucoup de place à l'arrière. Moi, ce que j'aime bien, c'est que... Même la hauteur de... Ouais, là, c'est confortable. Non, pour le coup, t'as vraiment... C'est limite plus confortable qu'à l'avant. Je comprends qu'Alain soit... Et alors, les sièges sont plus mous derrière? Ouais, c'est vrai. Et les appuis-têtes aussi? Ah bah dis donc. Ouais, l'arrière, c'est très bien. Ce serait... Ouais, dis donc, t'es bien à l'arrière, en fait. Allez, on va regarder le coffre. Alors, t'as des petites trappes. Je sais pas si tu... On va pouvoir l'ouvrir. Et de chaque côté, en plus. Parce que j'ai dû laisser les clés comme en avant. Non, ça va. Voilà, et ça s'ouvre. En fait, t'en as deux. T'en as une de chaque côté. T'en as une à charge lente. Et t'en as une... Alors, je le fais mal, mais... Et t'en as une ici. À charge rapide. Exactement. T'en as deux. Mais c'est bien, parce que chez toi, ça te permet d'avoir accès quand même aux deux côtés. Ouais. Et parfois, on se dit, ah, zut, on est un peu handicapé. Je sais pas si tu le fais bien comme ça, mais on va dire que je le fais. Ça fonctionne. Allez, le coffre, le bandeau de feu, le logo Audi, et c'est parti, mon kiki. Alors, notre coffre rempli. Bah, et puis, belle contenance, hein. 526 litres, c'est honnêtement très correct. C'est joli. Il est bien fait, avec pas mal de petits. Bien organisé. Avec du rangement, et les puis, filets. Ici, voilà, hop, on peut mettre son parapluie, mais surtout les câbles de recharge. Hop, et devant, il y a un frunk. Tu as un frunk de 64 litres à l'avant, qui sera en option, je crois, à 270€. Ah bon, il est en option? Ouais. Ah bon? Bon, bah, c'est la vie, ça, le Polo 7. 64 litres. Conclusion? Tout équipé, comme le nôtre, on atteint les 100 000€. Oui. C'est une jolie somme. Mais, en loyer... C'est pas le SQ6. C'est pas le SQ6. Mais le SQ6, il est pareil. Il est 10 000€ plus cher. Au-delà de ce prix facial qui peut évidemment interpeller, parce que... c'est une zone de prix où tu as un Volvo X90. Tout le monde. Tous les concurrents haut de gamme. Qu'elle est regardée, qui sont quand même des... Alors, EX90, c'est un cran au-dessus. Hein. Oui. Donc, il y a quand même... c'est étoffé. Hein, comme, mais en comme... loyer, ça devrait... Parce que c'est ce en que loyer... C'est autour de 900€ par mois. Et sans apport. Et Audi, la valeur résiduelle d'Audi, elle est tout en haut. Oui. Il faut lui souhaiter le succès. Voilà, Audi is back. Moi... Il y a la 6 qui arrive, il y a la 5 qu'on a hâte d'essayer avec Jean, parce que moi, la 5, je la trouve super belle. Le plan, c'est probablement celle dont j'attendais le moins dans ce qui arrive. C'est-à-dire je suis plus en attente du Q5, je suis plus en attente de la 5, je suis plus en attente de la 6. In fine, très honnêtement, probablement une des meilleures voitures électriques qui était faite. Techniquement, tout va bien. Elle est agréable à conduire. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai juste pas eu, j'ai pas eu l'étincelle. En fait, mais je pense que toi aussi. Mais ouais, en fait, il faut tomber amoureux. Et là, on le... vois, ouais. C'est marrant, c'est parfois, tu sais, c'est le syndrome du trop bon élève. Ouais. T'es le mec à 19 sur 20, mais t'attends le supplément d'âme. Bah, 5 à 6, je serais tombé probablement amoureux. Voilà. On verra quand on l'essaiera. En attendant, la bise à mamie. Oui.
Évidemment, on s'abonne. Le petit pouce bleu, le petit commentaire de soutien. Et puis des essais, en veux-tu, en voilà. Toi aussi, peut-être qu'Audiman, tu avais beaucoup d'attentes sur cette voiture. Ah, moi, j'attends toujours beaucoup d'Audi, tu sais. Puis alors, c'est pas leur faire offense, mais ils ont quand même, là, c'était la traversée du désert. Mmh. Tu vois, il y avait beaucoup de chocards et tout sur ça, d'attentes. Ouais. Bon, bah là, tout déboule. Donc, on les attend au tournant et on est là. À très vite, les amis.